Les adultes, comme les jeunes, on est tous intelligents. On est tous des homo sapiens sapiens. On ne veut apprendre que lorsque ça a du sens dans notre parcours. C'est du gros bon sens, mais c'est aussi le fond du problème. Un des grands enjeux de la motivation, c'est que ça donne. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est un enjeu important. Si, par exemple, je suis dans une entreprise, l'entreprise ferme sa vieille usine, est en train d'ouvrir une nouvelle usine, puis elle me dit, « Écoute, Paul, si tu es prêt à suivre 3 mois de cours pour occuper les nouveaux appareils dans la nouvelle entreprise, on va te garder, sinon on va te donner une pré-retraite. » Donc, la motivation, c'est donc, « Mais là, ça va me donner quelque chose. » Mais il y a un deuxième élément de motivation, aussi important que cela, c'est, est-ce que je perçois que je vais être capable de le faire? Donc, la motivation, c'est ce qu'on appelle à la fois la perception des chances de réussite, mais aussi la valeur même de la formation qu'on veut me donner. Qu'est-ce que ça va me donner, la formation? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, c'est pas quelque chose d'intérieur, là. C'est marqué socialement. Si moi, je suis dans un environnement où, quand je fais une erreur, c'est tout de suite une image négative de moi, alors que je suis dans un environnement où lorsque je fais une erreur, c'est comme si je faisais une expérimentation. Regardez ça, c'est un bon mécanisme pour savoir la qualité de l'environnement éducatif de votre milieu. Quel est le rapport à l'erreur? Est-ce que quand il y a une erreur, là, ça n'a pas marché. On peut-tu se retrouver tout le monde ensemble pour faire l'analyse de l'erreur, pour être capable, à partir de cette analyse d'une situation, d'être capable de corriger les erreurs par la suite et donc de faire de l'erreur une occasion extraordinaire d'apprentissage? L'erreur, c'est un signal d'analyse d'une situation. Mais dans d'autres milieux, si moi je suis caissière dans une épicerie, que je fais une erreur parce que je possède mal la façon d'opérer les codes ou quand les codes ne fonctionnent pas, etc., et que j'ai peur qu'on rit de moi, je regrette, mais je suis fait. Je ne participerai pas. Parce que l'environnement éducatif dans lequel je suis, le rapport à l'erreur, est un rapport punitif et non pas un rapport d'apprentissage. C'est très important au niveau de la motivation d'être dans un environnement où on est des personnes intelligentes en recherche constamment de tester la réalité pour l'améliorer. On est continuellement en intelligence active. On n'est pas simplement des bêtes qui obéissent pour passer à la bonne place entre les deux clôtures.